Mesdames, Messieurs, bonjour, il est 12h30, nous sommes ravis de vous accueillir sur le journal du BTS TV. Bonjour José. Bonjour Anne, bonjour à tous. Et c'est une édition spécialement consacrée à Noël que nous vous proposons aujourd'hui. Tout à fait José. Il est 12h30, passé de 40 secondes, ne serait-il pas l'heure de découvrir les titres? Certes, sans plus tarder, le sommaire. Les élèves du lycée Léonard de Vinci ont eu la chance de participer au prix Goncourt des lycéens. Deux d'entre eux seront présents avec nous pour nous parler de leur expérience hors du commun, José. Nous parlerons ensuite de la salle de concert de Montaigu, le Zinor. En exclusivité pour BTS TV, Luc Buisson sera présent avec nous pour nous parler de sa prochaine œuvre, Septième Sens. Et enfin, tout au long de ce journal, nous aurons l'occasion de retrouver Chef Omar du restaurant étoilé de la Mijotière qui nous concoctera un petit délice de Noël. Mais avant cela, c'est un week-end musical qui s'est déroulé de Nantes à Montaigu puisque la 27e édition des Rockeurs ont du cœur a eu lieu au Stéréolux de Nantes. Cet événement solidaire envers les enfants défavorisés qui leur offre le droit de croire au Père Noël séduit toujours autant les foules. Notre équipe s'est rendue sur place à la rencontre de ces rockeurs au grand cœur. Je m'appelle Emmanuel Manou et je suis président de Les Rockeurs ont du cœur. Alors le concept, c'est très simple. Pour rentrer au concert, il faut venir avec un jouet. Un jouet ou un cadeau qui ira à des enfants de 0 à 16 ans. C'est un bon concept parce que ça fait plaisir autant aux spectateurs qu'aux enfants qui recevront les cadeaux et ça contribue aussi à l'ambiance de Noël. On a remis des vrais métiers. Un petit trou de pâte à modeler. Voilà. Derrière tout ça, il y a toute l'humanité de personnes qui œuvrent et qui travaillent un soir gratuitement, artistes, techniciens, bénévoles et autres, pour que certains enfants puissent savoir que c'est des jouets. C'est assez facile à monter la programmation. Tu sens bon que je peux? Bah pas trop, je trouve, il doit faire. Ah si, c'est pas mal. Bon, c'est cool. Puisqu'on a toujours un certain nombre d'artistes sous le coude d'une année sur l'autre. On aime bien Elmer Footbeat, alors du coup on a été voir plein de fois Elmer Footbeat, alors du coup on est copains avec Elmer Footbeat et ils nous ont dit « Ah les copains, vous venez venir jouer avec nous au Rockeurs ont du cœur ?» Alors on a dit oui. Sur Nantes, donc c'est à Stéréolux et ça se passe toujours, en gros, le week-end avant Noël. Là je parle que de Nantes, hein, bien sûr. Mais il y a une vingtaine de villes en France qui le font. Les Rockeurs ont du cœur, c'est que de l'amour. Rappelons que cet événement se déroule dans plusieurs villes de France. Ils vous attendent donc pour l'année prochaine. Passons maintenant au prix Goncourt des lycéens qui s'est déroulé le 18 novembre dernier à Rennes. Clémence et Lisa sont présents avec nous pour nous présenter ce projet. Bonjour Lisa, bonjour Clémence. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de manière globale du prix Goncourt des lycéens? En fait, c'est un projet qui s'est déroulé avec nos professeurs, donc notre professeur de français, M. Deloume, ainsi que la professeure documentaliste, Mme Serin, qui nous ont prévenus au début de l'année, donc en septembre, et on devait lire 15 livres pour la sélection. Donc on a été dans une bibliothèque et on a rencontré des auteurs. Et ensuite, Lisa a défendu à Nantes notre trio gagnant. D'accord, donc c'est Lisa qui a défendu à Nantes. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc j'ai appris que c'était David Fotkinos qui avait remporté le prix Goncourt des lycéens pour son livre Charlotte. Avez-vous lu ce livre et qu'est-ce que vous en avez pensé? Dans la classe, une majorité de personnes l'ont lu. Nous deux, même, on l'a lu. Il a rencontré vraiment un énorme succès. Moi, personnellement, je l'ai beaucoup aimé. Donc Charlotte, ça raconte l'histoire de Charlotte Salomon, une peintre juive allemande durant la Seconde Guerre mondiale, écrit uniquement en phrases courtes, donc c'est assez intéressant comme livre. D'accord. Je vous propose... on dit souvent que les lycéens ne prennent pas le temps de lire, mais est-ce que vous pensez que ce genre de projet peut améliorer ce constat? En effet, beaucoup de lycéens ne lisent pas énormément. Et justement, ça nous permet de lire un plus grand nombre de livres, et plus particulièrement des littératures contemporaines, parce qu'on se base plus sur des littératures plus anciennes. Très bien. Je vous propose maintenant de regarder deux extraits, deux petites critiques littéraires que vos camarades ont élaborées. Le voile se déchire,
la robe flambe. Le temps de compter jusqu'à un, et nous serons les maîtres du monde. Le cœur bat, on va enfin connaître la vérité. Le regard des autres pétrifie l'horloge. Tout s'arrête. C'est l'éternité. Et Tristesse de la Terre, d'Éric Villard, est notre roman préféré. Hello, my name is John, and I live in No Nunez, in USA. Bonjour, je me prénomine John et je vis à Cueil-le-Mont dans une petite bourgade des États-Unis d'Amérique. And today I present the books Constellation. J'ai le privilège de vous présenter une œuvre tout à fait fascinante, je dirais même exaltissante, Constellation. But you have a problem, I have not read the book. J'ai littéralement dévoré ce livre et ce n'est pas du tout un problème pour moi d'en parler. I just know it talk of a plane. Adrien Bosque nous parle du crash du Constellation le 27 octobre 1949, duquel aucun des 37 passagers n'en réchappera. De retour sur le plateau de BTS TV en compagnie de Clémence et Lisa. Eh bien, merci d'avoir été avec nous, Clémence et Lisa. Il est maintenant l'heure de retrouver Anne pour la cuisine. Anne, c'est à vous. Coucou Chef Omar, je vois beaucoup d'ingrédients sur la table. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu votre recette magique de ce midi ? Je vais faire un classique, la dinde fouet de Noël. Attention Anne, ne mangez pas tout. Je vous ai prévu une petite surprise qui permettra de régaler tous vos convives. Alors, commençons par la farce. J'ai pelé 3 échalotes que je vais mixer avec du persil. Frais si possible. Ensuite, j'ai ramené du thym et du laurier. Et on n'oublie pas une petite touche de sel et le poivre pour l'assaisonnement. Mais on n'oublie pas surtout de recouvrir le mixeur car il ne faudrait pas repeindre toute la cuisine. Alors très bien, une fois qu'on a presque mixé tous ces ingrédients, quelle est la prochaine étape ? Ensuite, j'ajoute 150 g de chair à saucisse, puis 100 g de jambon préalablement détaillé. D'accord. Et enfin, je vais rajouter 450 g de purée de marron. La purée de marron. Et quel est l'ingrédient magique de cette recette ? Ah, l'ingrédient. J'ai ma petite touche personnelle. Le chocolat se marie merveilleusement bien avec la douceur des marrons et ramène une petite touche de bonne humeur. Le fameux chocolat de Noël. Eh bien, écoutez, Chef Omar, tout ça m'a l'air très très bon. Effectivement, mais tout en restant raisonnable, Anne. Il est maintenant l'heure de retrouver Maurice Chevalier pour sa petite chronique décalée. Bonjour Maurice. Bonjour José. Mais avant de te retrouver, Maurice, place à celles qui vous font consommer, mais qui nous font vivre. Mais ça, vous n'êtes pas censé le savoir. Tout de suite, les pubs. Vous aimez les bains de boue, maître ? Le nid de frelons asiatiques avait envahi le... Et qu'est-ce qui t'avait fait, ce bus ? Cette année, y a une beauté. On vend la box BTS TV. Léonard de Vinci, tenez-vous prêts. Une JT en exclu, ça va vous plaire. Le programme pendant un an. À voir et revoir absolument. Absolument. Offre soumise à condition à un lycée participant, à savoir le nôtre. Bise. Bonjour, je suis Ramon, de Ramonas. Des déchets commencent à dépasser de votre cheminée. Un membre de votre famille est mort asphyxié. Il a comme quelque chose qui pue. N'attendez plus, appelez Ramonas. 90% de cheminium libère des protons d'anutium, une flamme et boum, c'est la catastrophe. Cher Ramonas, on vient chez vous et à l'aide d'un balai Nimbus 5000, on débouche votre cheminée sans la remplacer. On ramène en profondeur et en un clin d'œil. Et en plus, ça vous coûte rien. Ramonas, les cheminées qui rend la classe. Il est midi passé de 39 minutes de retour sur le plateau du BTS TV. Merci encore d'être avec nous pour cette édition spéciale Noël. Bonjour Maurice, la parole est à vous. Merci Anne. Voici les news de la semaine. On commence par vendredi. Vendredi, grève des musiciens du groupe AC/DC suite à une altercation avec leur chanteur. Le guitariste a déclaré, je cite... Ça fait 35 ans que Brian hurle comme un sangouin, il est grand temps qu'il prenne sa retraite. Eh oui, plutôt en forme le Brian tout de même. Allez, on passe au samedi. Samedi, Instant People. Paris Hilton est arrivé léger ce week-end à Montaigu. Dimanche maintenant, dimanche. Bah ouais, dimanche on s'emmerde. Qu'est-ce que tu fais toi José le dimanche? Tu vas voir ta belle-mère? Allez,
Lundi maintenant. Lundi, drame. Après une bataille acharnée contre une équation du second degré à discriminant réduit, les élèves léonardiens ont subi de lourdes pertes. Des images terribles. Mardi maintenant, nouvelle performance de l'homme le plus classe du monde. À l'envers et sans les mains, ma gueule. Mardi. Mardi, l'homme qui a oublié de retourner sa fourchette à la cantine a été condamné à 20 ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende pour crime contre l'humanité. Sa famille est bien sûr inculpée pour complicité. Et jeudi, enfin, BTS TV a l'honneur de vous présenter en exclusivité un extrait du dernier Fast and Furious, réalisé par le Suisse Frank Müller. Tu pousses les news un peu trop loin, Maurice. Il est maintenant l'heure de retrouver Carmen l'acharnée qui nous parlera de la pluie et du beau temps et nous dira comment nous habiller demain. En slip, avec des moufles ou bien les deux? En slip, Anne. Et oui, c'est le grand retour du froid pour ce jeudi 18 décembre. Pour le nord de la France, d'affreux nuages sont à prévoir à Morlaix, alors que c'est le bordel à Nogent-le-Rotrou. Moitié pluie, moitié soleil, un sacré arc-en-ciel. Cannes se fera martyr des tempêtes de grêle, attention aux talons sur le tapis rouge. Et pourtant, ce sera Versailles à Montaigu. Petite brise, rayon de soleil, chant d'oiseaux, parfait pour passer une après-midi aux Douves. Attention aux alertes oranges sur l'est du pays. Les températures seront dans l'ensemble très homogènes. Le soleil se couchera comme d'habitude et nous fêterons la Sainte-Colette. Bonne journée sur BTS TV. Un deuxième événement musical a eu lieu ce samedi 13 décembre à Montaigu, puisque le Zineur et le collectif Y Croit Quoi et ses 19 associations se sont... Nous sommes totalement désolés pour cette interruption, vous pouvez reprendre. Je disais donc que le Zinor et le collectif Y Croit Quoi et ses 19 associations se sont retrouvés pour soutenir la salle de concert à la découverte du Zinor. Depuis 2002, le collectif Y Croit Quoi investit la salle du Zinor pour différents événements culturels. Aujourd'hui, devant faire face à des difficultés financières liées à la location de la salle, le collectif lance un appel aux dons. C'est dans ce cadre que le week-end du 13 décembre dernier a eu lieu une soirée de soutien à la salle des fêtes de Montaigu. Cette décentralisation a pour objectif de rendre l'événement plus accessible à la population. On est quand même un collectif qui représente 19 associations. On représente énormément d'événements sur, au long de l'année. Effectivement, on aimerait pouvoir garder cette salle, l'avoir à disposition le plus longtemps possible. De nombreux bénévoles se sont ainsi mobilisés pour prêter main forte aux organisateurs. Dès l'instant que je peux prêter mes bras, je le fais avec plaisir. C'est vrai que des fois, vu de très loin, ça peut ne pas parler aux gens. Ça peut ne pas parler à des gens de 60 ans, mais ça peut parler à leurs petits-enfants. Donc on démocratise un peu et on essaye de créer des outils pédagogiques pour les élus et la population. Certains groupes présents pour l'occasion ont apporté leur contribution en se produisant bénévolement. C'est le cas de Totoro, Quatuor René. Important de venir jouer à un concert pour soutenir une association qui a besoin de ce genre de soutien. Nous, c'est vrai que la culture perdure. Que la culture perdure à tous les niveaux. Quand tu réfléchis sur, à part Nantes, autour, quel autre lieu d'expression autogéré, on va dire, existe? Pour les personnes impliquées dans ce week-end Zinor les Murs, c'est une satisfaction de collaborer à la sauvegarde d'un lieu de partage, de rencontres culturelles et artistiques. C'est l'un des seuls dans la région. Et nous souhaitons aux Zinor une bonne continuation. Allons maintenant faire un tour du côté de chez Chef Omar. Alors chef, où en est votre préparation? Alors, maintenant que la farce est prête, nous allons procéder au fouage de la dinde. Étape très délicate, je suppose. Oui, c'est l'opération que je préfère. Donc, j'ai ramené une belle dinde. Il suffit de prendre la farce, délicatement avec la main, et de fouer la dinde. Tenez, passez-moi le plat, s'il vous plaît. Effectivement. Une bonne dinde bien Merci beaucoup, José. Donc j'ai mis le four à préchauffer à 200 degrés.
on va la faire cuire pendant 2 heures. À 20 minutes avant la fin de la cuisson, on pourra ajouter des marrons tout autour pour agrémenter l'accompagnement. D'accord. Donnez-moi attention, s'il vous plaît. Si vous pouvez la mettre au four, s'il vous plaît. Alors, merci, José. Bonne grosse dinde. 2 heures, mais grâce à l'ingrédient magique. Oui, votre petite touche personnelle, Alex. La cuisson semera magiquement plus rapide. Et ça, c'est l'esprit de Noël. Merci en tout cas, Chef Omar. Grâce à vous, les téléspectateurs pourront passer un merveilleux réveillon. Et nous aurons l'occasion d'y goûter à la fin de ce journal. Merci beaucoup, José. Un parcours, un destin. C'est l'histoire d'un homme qui n'avait que le cinéma comme passion. Vous connaissez sûrement le sixième élément, la Grande Bleue ou bien encore Léon et les Minimoys. Il a fait jouer les plus grands acteurs, côtoyé les plus grands cinéastes. Souvent admiré, parfois critiqué, Luc Buisson est avec nous pour nous parler de sa dernière œuvre. Bonjour Luc. Bonjour Luc. Hi, nice to meet you. Alors Luc, vous êtes venu pour nous présenter votre dernière œuvre, Septième Sens, l'histoire d'un homme tourmenté pour qui les Pères Noël devenaient une obsession, une histoire sombre et touchante. Mais je vous propose de regarder la bande-annonce avant quelques questions. Là, tu pars où ? Je pars la première semaine, je pars à la Plagne, et puis la deuxième, ça s'appelle Fumée, je crois. Enfin, ça va être super sympa. C'est aussi dans les Alpes ? Ouais, c'est les deux, c'est dans les Alpes, ouais. Donc, j'étais en train de prendre en vidéo un pote qui faisait des bosses, et puis là, il y a une micro à l'ange, quoi. Un truc de fou, quoi. Oh, oh, oh. Il se passe des choses anormales, et ils sont là, partout. Je vois des Pères Noël. Quelquefois, ça vient de l'intérieur. C'est comme si vous tombiez à toute vitesse. Ils vont et viennent comme n'importe qui. Malo ! Vous êtes avec nous, Malo ? Bref. Vous sentez quelquefois comme des aiguilles qui vous picotent la nuque. Ce sont eux. Je vois des Pères Noël. De retour sur le plateau de BTS TV en compagnie de Luc Buisson. Alors Luc, on vous considère souvent comme un cinéaste inspiré, mais est-ce que vous pouvez nous parler des personnes qui vous ont influencé tout au long de votre carrière, mais en particulier pour ce métrage ? Pour ce film, j'ai été inspiré par la nouvelle vague en Laponie. Ces jeunes réalisateurs comme Dolana ou encore les frères Coana, et puis ce chef-d'œuvre, Mère Noël et les sept lutins, qui m'a bouleversé. Ces points de vue, cette place qu'il donne au spectateur, j'ai trouvé ça incroyable. Pourquoi avoir choisi comme titre « Septième sens » Est-ce en référence au film « Sixième sens » Mais je ne vois pas de quoi vous parlez. Je pense que l'homme a plus de sens qu'il ne le croit. Aujourd'hui, cela devient compliqué de tous les découvrir. Vous savez, les sens, ça devient rare et cher de nos jours. Je crois qu'il merci, ne se... Luc. Il se passe quelque chose en cuisine. D'accord. Prenez-le directement. On nous fait signe de... Avec l'ingrédient magique. Ok, très bien. On nous fait signe de quitter le plateau. Le plateau directement. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée.